Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, deux choses. Comme les deux vidéos allaient être très courtes, je les ai intégrées toutes les deux dans une seule vidéo. Comme promis, je vais vous montrer où j'en suis sur mon tricot. Voilà, je vous avais dit que je vous montrerai ça ce week-end. Bon, là vous aurez la vidéo lundi, hein. On est dimanche soir, donc je vais vous montrer où j'en suis arrivée. Et juste après, vous aurez le tirage au sort pour savoir qui a gagné le livre avec les modèles de tricot de Fil d'Art. Voilà, donc pensez à rester jusqu'au bout de la vidéo, surtout si vous avez participé au concours. Et on se retrouve tout de suite, je vous montre où j'en suis avec mon tricot. Alors, voilà mon tricot. Le dos est terminé. Voilà. Ah. Bon, le haut roule un peu, mais ça, c'est rien. Hop. Et les emmanchures, elles sont là. Donc, tout le haut est terminé. Je l'ai terminé hier, avant-hier, je ne sais plus. Donc là, pour le faire, j'ai mis 4 jours. Enfin, pas 4 jours entiers, hein, bien sûr, mais... Donc, voilà. Et j'ai commencé hier soir le devant. Oups, attendez, je vais mettre la pelote de ce côté-là. Et là, j'ai commencé le devant, qui est déjà bien avancé aussi. Donc là, je suis à... 12, 16, 18, 36 et encore une dizaine, je suis à une cinquantaine, soixantaine de rangs là, un peu plus. Donc déjà sur le devant, donc j'ai commencé hier soir. Voilà. Donc là il paraît un peu moins large, mais c'est normal. C'est parce que là c'est encore le début du tricot. Donc, je vous rappelle que moi, je le faisais avec cette laine ici, le fil Mikado, le fil d'art. La couleur, c'est Pétunia. Et le modèle vient de ce livre. Voilà, fil d'art, fil multicos et compagnie. Donc, c'est le livre qui est à gagner là, juste après, dans le tirage au sort qu'on va effectuer juste après. Voilà, donc le modèle... Je vous remontre. Bon, celui-là, c'est le mien, hein, le livre, bien sûr. Voilà, c'est ce modèle ici. Voilà, donc voilà où j'en suis. Bien avancé. Bon, je ne sais pas s'il sera fini pour le prochain week-end, mais bon, on verra. Je vous referai une vidéo et on verra où je suis arrivée. Allez, maintenant on va effectuer le tirage au sort pour savoir qui a gagné le livre. À tout de suite. Ah, désolé, ça floute. Alors, nous voici devant le logiciel pour connaître le nom de la gagnante. Enfin, déjà le numéro. Vous avez été 25 à vous inscrire pour ce mini concours pour gagner le livre Fil d'Art. Donc, je vais faire le tirage au sort. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, j'ai bien marqué 25, hein, vous voyez. Et je lance le tirage au sort. Alors, le numéro 6. Mireille Aguillard. Voilà.
Alors, la gagnante, là voilà, c'est Mireille Aguillard. C'est elle qui a gagné le livre Fil d'art. Donc, Mireille, si tu passes par ici et que tu as vu que c'est toi qui avais gagné, je te demande de m'envoyer un petit message. Alors, si tu as mon Facebook, par Facebook, oula, ça, je sais pas, ça fait tout sombre d'un coup. Alors, par Facebook, ou alors tu m'envoies un email. Et comme ça, tu peux m'envoyer ton adresse, voilà. Si c'est ton prénom et ton nom, je pense que c'est le bon. Et donc ton adresse pour que je puisse t'envoyer ta revue Fil d'art à ta maison. Voilà. Ben écoutez, encore un grand merci à tous d'avoir participé à ce petit concours qui n'était pas prévu hein, normalement. Je vous remercie tous encore et dans la semaine, je referai une petite vidéo pour vous montrer où j'en suis arrivée sur mon tricot. Bon, je crois que c'est la lampe qui est derrière qui fait de l'ombre sur la vidéo. Je suis désolée, j'aurais dû l'éteindre. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je remets le nom de la gagnante à la fin. Bisous bisous, à bientôt!